Monsieur le Président, mes chers collègues, la France n'a peut-être jamais mieux senti qu'aujourd'hui l'honneur que lui font les nations unies par le pacte atlantique en choisissant sa capitale pour siège du Conseil, où se débattent les problèmes les plus importants pour notre avenir commun. La France vous souhaite une cordiale bienvenue. Le peuple de ce pays adresse par ma voix et à travers vos personnes au peuple que vous représentez ici un salut fraternel. La présence parmi nous de celui de qui le nom signifie libération des peuples et défense des grands principes sur lesquels repose notre civilisation est un gage supplémentaire du succès de notre réunion. Une rude tâche nous attend. Il n'aurait pas été nécessaire d'organiser cette réunion au niveau des chefs de gouvernement si nous n'avions pas senti que dans les circonstances présentes, un examen franc et complet de nos problèmes s'imposait. Cette franchise est sans doute plus qu'un droit entre alliés. Elle est un devoir réciproque. In selfish interest at the expense of our sister. I am here to continue with you NATO's work for a just peace. I meet with you in Paris, my friends of many years, colleagues in sharing heavy responsibilities and bright opportunities. This meeting is unique in NATO history. For the first time, it is attended by heads of government. Moreover, we meet not under a chilling fear that each nation among us, acting separately and alone, might fail to match the aggressive power that could be brought against any. We are here to take store of our great assets in men, in mines, in materials. We are here. NATO has proved itself as an agency of peace and of security for us. Since it came into being, no further nation of Europe has been lost to communist aggression. Behind the barrier of NATO's deterrent power, conventional and nuclear, the peoples of the West have made great advances. We can take satisfaction from the past, but no complacency from the present. La séance est ouverte. Mr. President.